L'une des plus grandes plaies qui mine l'Église, mais aussi notre propre cœur, c'est l'envie. Pourquoi ne pas se contenter des dons que Dieu nous a donnés? Il ne nous demande pas grand-chose, là où nous sommes, avec les petits talents que nous avons, de servir au mieux que nous pouvons. Et alors, si nous le faisons sur un tout petit pas, alors de l'autre côté, il nous confiera des villes, il fera de nous serviteurs puissants. Et voici une histoire qui illustre cela. Un paon se plaignait à Dieu et il disait « Dieu, ce n'est pas sans raison que je me plains, que je murmure. Le champ dont vous m'avez fait don déplaît à toute la nature. Au lieu que un rossignol, chétive créature, forme des sons aussi doux qu'éclatants. Et lui seul est l'honneur du printemps. » Et Dieu répondit en colère « Oiseau jaloux, tu devrais bien te taire. Est-ce à toi d'envier la voix du rossignol, toi que l'on voit porter à l'entour de ton col un arc-en-ciel nué de 100 sortes de soies et qui semble à nos yeux la boutique du lapidaire? Est-il un autre oiseau sous les cieux capable autant que toi de plaire? Et donc, peuple chrétien, il faut se réjouir des dons qu'on a reçus. Certains, c'est vrai, sont comme des rossignols, ils ont la parole de Dieu sur la langue. D'autres, au contraire, révèlent la beauté des œuvres de Dieu. Et si toi, tu ne sais faire que le petit ménage dans l'église et que c'est ta seule œuvre, mais si ton cœur est humble, alors sache-le au ciel. Tu seras chargé de faire le ménage du péché dans les âmes de tes frères encore en chemin sur la terre.